On s'en va vers le Big Cove Sentier. 90 mètres de dénivellation. Sentier abrupt. C'est vrai que c'est capable là. Ah ouais, si j'avais pas mis de chandail, je me sens un petit peu serré dedans. Ben. C'est pas grave. Hey, t'es comique, toi. Oui, mais j'ai fait. T'es comme un petit kid. Oui. Là, tu fais ici, ou si tu regrettes ton cou, bien, tu comportes les arrêts. C'est-tu barré? Il y a une gueule. Ah, ok, il y a une gueule de passage. Pour dire que c'est barré, on va jumper. Je vais faire descendre une côte abrupte de 90 mètres. Ah, tu peux pas descendre sur la plage. Hein? Je croyais qu'on aurait pu descendre sur la plage. Ouais, il y a une manière de descendre. T'as pas le droit d'aller dans les grottes. Yes, c'est super. Partez de cet observatoire, vous pouvez pas. Vous voyez, c'est pas filé devant vous. Il y a certaines particularités qui font de Opal Rock, une région unique. Big Cove ou la Grande Anse, Castle Rock, le Rocher Château. Ah oui, les deux plus grandes et intrigantes grottes marines. Les falaises verticales aux couches, des grès rouges, pour environ. Sans un ciel et d'eau. Ah ben. L'érosion peut ranger jusqu'à 2 bits roches. Ici là, il faudrait pas faire comme le coyote. Faudrait pas faire comme le coyote, prendre le bas. Hey, le monde sont gros comme des fourmis ça. Du bruit devant la caméra. Les joies d'être sur le bord d'une falaise. Le vent. Ouais, moi, il est chaud. Pas chaud. Il n'est pas de glacial comme Rimouski. Coucou! Ça fait un gros plein de ta visage. Tu fais des grimaces. Ah, bon, il faut rien à filmer en montant. La même affaire. On va couper la caméra.